Mon royaume pour un verre d'eau. Bienvenue dans Alexandrie, ville des fêtes. Comme la plupart des cités grecques, Alexandrie proposait de nombreux types de divertissements. La plupart étaient liés au culte, aux pratiques religieuses et aux festivités entourant ces pratiques. Les plus importantes de ces festivités étaient les célébrations dynastiques organisées en l'honneur des rois et des reines ptolémaïques déifiées. Ces célébrations, qui pouvaient durer plusieurs jours, comprenaient des sacrifices, des offrandes, des processions et des banquets publics. Comment te chanterai-je, toi, ô brillant, chasseur de la rocheuse Délos, fils doré de Leto, Phébus, porteur de lumière, je suis ta lyre, entends mon serment, offre-moi ton chant, je frémis de ton feu. Comment te chanterai-je, toi, ô brillant, chasseur de la rocheuse Délos, fils doré de Leto. Des jeux et des compétitions étaient fréquemment organisés au stade, à l'hippodrome et au gymnase. Les habitants d'Alexandrie adoraient ces événements où s'affrontaient athlètes, poètes et musiciens de toute l'Égypte et du reste du monde grec. Comme toutes les grandes cités grecques, Alexandrie disposait d'un théâtre. Si l'architecture de cet édifice est de style romain, c'est parce que notre équipe a réutilisé un théâtre de sirènes. Les théâtres romains étaient généralement disposés en demi-cercle et bâtis sur une surface plane avec des structures permettant de se faire entendre. La forme des théâtres grecs se rapprochait de celle d'un fer à cheval et exploitait l'avantage que procurait la pente des collines naturelles en matière d'acoustique. Was
Au théâtre, on assistait aux représentations d'œuvres d'auteurs contemporains, aussi bien comiques que tragiques. La pièce présentée ici est le Discolos de Ménandre, souvent appelé le Grincheux. C'est une comédie grecque qui connut un grand succès.